couvrez combien par rapport aux besoins du pays? Pour les engrais azotés, donc on couvre 100%. Pour les engrais phosphatés, 100%. Pour les engrais composés, on peut dire nous sommes à 70%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Mettre l'acteur, mais le gaz ou le pétrole. Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Il faut aller vers. On a des produits, des dérivés à dos, et il faut foncer. Il faut arrêter toute exportation du brut. Pour les engrais, là aussi. Donc, Inch'Allah, dès qu'on aura terminé avec le projet de phosphate vers Annaba, il faut penser à une très forte intégration et pour couvrir les besoins d'une bonne partie de notre continent. Le prix des produits agricoles finis est assez élevé à cause du prix des engrais. Et puis, il y a d'autres qui sont en train de faire de la politique avec les engrais. D'autres, mais pas nous. Maintenant, on a l'obligation d'aider l'Afrique. C'est une obligation.